Mesdames et messieurs, bonsoir. Jean-Christophe Ruffin, merci de votre présence ici ce soir. Cela fait longtemps, à vrai dire, que je vous espérais. Et vous voyez, je n'étais pas la seule dans ce cas-là à Nancy. Votre venue a attiré beaucoup, beaucoup de monde. Et je voudrais, avant de commencer notre entretien, remercier Monsieur Jean-Charles Bernard, directeur régional du CIC Est, à qui, la semaine dernière, lors de l'inauguration du Salon des artistes lorrains, je confiais mon inquiétude parce que le nombre de réponses qui arrivaient pour votre rencontre était supérieur aux capacités de tout l'ensemble Poirel. Et à ce moment-là, il m'a dit très spontanément, mais écoutez, on va laisser le hall de la banque ouvert, vous pourrez mettre un écran supplémentaire et comme ça, un maximum de public pourra suivre cette rencontre. Voilà, alors ça mérite un grand merci et des applaudissements. Merci, monsieur Bernard. Alors, Jean-Christophe Ruffin, je vous ai plusieurs fois entendu dire, et vous l'avez écrit même, que vous étiez incapable de vous arrêter à un destin et un seul, et je veux bien vous croire en contemplant votre parcours. Vous êtes, je vous cite, né dans la médecine, comme d'autres sont nés au bord de la mer ou en montagne, médecin neurologue des hôpitaux de Paris. Vous avez très vite décidé, je crois en 1976, de devenir l'un de ces French doctors qui se sont engagés sur tous les fronts de souffrance en Afrique, en Asie ou en Amérique du Sud. Alors, vous êtes médecin, on le sent bien, jusqu'au fond de vous-même, mais vous êtes aussi diplômé de Sciences Po. Vous avez été deux fois conseiller auprès d'un ministre, d'abord aux droits de l'homme, ensuite à la défense, et en 2007, vous êtes nommé ambassadeur de France au Sénégal et en Gambie, l'un des postes diplomatiques les plus importants pour notre pays en Afrique. Alors nous reviendrons bien sûr sur toutes les facettes de votre parcours au cours de cet entretien, et peut-être particulièrement sur ces trois années de diplomatie qui n'ont pas été sans turbulences pour vous, mais aussi au cours desquelles, grâce à ce poste d'observation privilégié que vous aviez à Dakar, vous avez perçu très distinctement la montée des groupes terroristes au Sahara. C'est le sujet de Katiba, qui est ici, qui est votre avant-dernier roman, roman d'espionnage qui débute avec l'assassinat de touristes en Mauritanie, donc évidemment voisin du Mali. Et ce roman, me semble-t-il, est assez prémonitoire de l'actualité brûlante que nous connaissons aujourd'hui. Donc nous en reparlerons. Et en citant Katiba, ça me permet de faire une transition vers une de vos vies qui nous réunit particulièrement ce soir ici, évidemment celle d'écrivain. Alors, vous avez été essayiste, vous êtes l'un des romanciers les plus lus, non seulement en France, mais à l'international. Vous ne comptez plus les prix littéraires. Moi, je ne vais en citer que deux, mais il y en a bien plus. Vous avez eu le prix Interallié pour les causes perdues, qui touchait justement à l'humanitaire. Et puis, en 2001, vous recevez le prix Goncourt, un des prix Goncourt qui s'est le plus vendu pour Rouge Brésil. Rouge Brésil, dont l'adaptation a eu lieu la semaine dernière, deux soirées de suite sur France 2. Alors en 2008, la littérature vous apporte une consécration supplémentaire et la plus belle, vous entrez à l'Académie française, au fauteuil d'Henri Troya, et je crois que vous en êtes toujours le Benjamin. Toujours. Alors, Jean-Christophe Ruffin, vous l'avez compris, j'ai beaucoup de sujets que j'ai envie d'aborder avec vous, mais nous allons commencer, on fait toujours comme ça, par votre actualité littéraire, et cela d'autant plus que Nancy s'apprête à fêter dès demain, d'ailleurs, la Renaissance. Alors, vous publiez chez Gallimard une formidable biographie trépidante, pleine de panache, brillante, brillantissime même, de Jacques Coeur, qui s'appelle Le Grand Cœur. Jacques Coeur, qui fut l'argentier, le grand argentier du roi Charles VII, et qui est l'un de ces destins qui ont marqué la fin du monde féodal en France. Jacques Coeur est né, comme vous, à Bourges,
Mais j'ai la sensation que ce n'est pas le seul point commun que vous avez entre vous. Est-ce que je me trompe ou tout ce qui vous passionne est dans cet homme, ce goût de l'aventure, de l'ouverture au monde, des relations entre l'Orient et l'Occident? Bref, Jacques Coeur, il est très proche de vous. Ben, vous avez dit beaucoup de choses, alors je vais commencer par vous remercier. Vous avez multiples vies, donc j'ai été longue. Et vous remercier tous d'être venus. C'est très, j'allais dire, rassurant pour un écrivain de voir que tant de monde peut faire l'effort de se déplacer pour parler de littérature, même si effectivement on va aussi parler d'autres choses. Donc vraiment, ça me touche beaucoup et votre présence me touche beaucoup. Me touche d'autant plus que pendant plusieurs années, comme vous l'avez dit, j'ai vécu à l'étranger, j'ai eu des postes à l'étranger et j'ai, en général, je n'ai pas pu me promener en France pour présenter mes livres. Donc je l'ai fait avec le grand cœur, je continue à le faire ce soir et c'est quelque chose qui me touche beaucoup de rencontrer cette France qui lit, et en particulier qui lit mes livres. Ça donne un caractère concret à des choses qui sinon sont virtuelles. Le travail d'écrivain, en tout cas le mien, c'est un travail assez ingrat, un peu solitaire. Moi, j'ai été longtemps un passager clandestin de la littérature. J'ai fait beaucoup de choses dans la journée, en plein jour, si je puis dire. Et puis pendant très longtemps, pour moi, l'écriture, c'était une activité nocturne, un peu cachée, un peu secrète. Alors aujourd'hui, évidemment, je ne peux plus me cacher, mais je ne suis pas encore tout à fait habitué, effectivement, à endosser ce rôle. Et le fait de rencontrer le public de mes livres m'y aide beaucoup. Alors, pour parler de Jacques Coeur, Jacques Coeur, vous savez, moi, je l'ai toujours connu, parce que je suis né à Bourges. On a quelques grands hommes à Bourges, mais enfin, pas tant que ça. On a Alain Fournier, et puis on a Jacques Coeur. Alors Alain Fournier, le Grand Maulne, c'était... Oui, d'ailleurs, le Grand Cœur, c'est en voilà, le Grand lien Cœur, c'est avec un le Grand Maulne. Hommage au Grand Maulne, le titre. Et quand j'étais enfant, j'habitais dans la vieille ville de Bourges, et je passais tous les jours devant deux monuments. L'un, c'était la cathédrale. Je faisais attention, d'ailleurs, parce qu'elle était en assez mauvais état à ce moment-là, et on n'était jamais sûr de ne pas prendre une pierre sur la figure en passant sous une gargouille. Depuis, ils l'ont un petit peu restaurée, heureusement. Et puis l'autre monument, c'était le palais Jacques Coeur. Et au fond, ce Jacques Coeur, moi, j'en avais entendu parler, bien sûr, comme tout le monde, mais je le voyais comme un vieillard, je le voyais comme un vieux monsieur qui avait eu un très beau palais, et puis je ne savais pas grand-chose d'autre. Puis alors, quand je suis allé, quand j'ai occupé ce poste d'ambassadeur au Sénégal, d'abord, une petite parenthèse, je n'aime pas le beau temps, ou tout au moins, je n'aime pas le beau temps tout le temps. C'est-à-dire que... Bienvenue à Nancy ce soir. Voilà, exactement. Mais vous savez, j'y suis sensible. Et non, c'est-à-dire que, vous savez, vous arrivez dans un pays tropical, ça m'a fait ça chaque fois que j'ai vécu sous les tropiques, vous ouvrez votre fenêtre le matin, il fait beau. Alors, premier jour, vous dites, merveilleux. Première semaine, formidable. Premier mois, très agréable. Au bout de 3 mois, vous en avez marre. Et je sais qu'en ce qui me concerne, j'ai besoin du cycle des saisons, j'ai besoin du renouvellement des saisons, j'ai besoin du froid, j'ai besoin que les feuilles tombent des arbres. Et puis, par ce même mouvement qui fait que dans les vignes, voilà, le raisin, comme ça, ne peut vraiment pousser que si la vigne a gelé. Si, voilà, j'ai besoin de cette espèce de maturation de l'hiver, etc. Et du mauvais temps, et du gris, et de la pluie. Donc, quand je suis rentré en France... La première chose que j'ai faite, c'est de me précipiter à Bourges, où j'étais sûr de trouver tout ça. Et d'ailleurs, ça n'a pas loupé. Quand je suis arrivé, il faisait gris, et il y avait une espèce de bise dans les rues, etc. Et j'étais très heureux de replonger, au fond, dans ce qui était une sorte de terre nourricière pour moi, cette saison un peu particulière des villes de France. Et... Je suis repassé devant le palais Jacques Coeur. Et puis tout d'un coup, je me suis aperçu que, au fond, ben, j'avais exactement, à ce moment-là, en 2010, quand je suis rentré, l'âge qu'il avait quand il est mort. Il est mort à 57 ans, moi j'avais 57 ans. Et je me suis dit, ben, c'est plus un vieux monsieur alors. Ou alors c'est moi qui en suis devenu un. En tout cas, il y a quelque chose qui a changé. Je ne suis plus le petit garçon qui passe devant le palais d'un vieux monsieur. Il y avait tout à coup une proximité, c'est-à-dire que la vie de cet homme
pouvait devenir la mienne, en tout cas dans l'espace de temps qui avait été sa vie. Eh bien, je savais ce que c'est, je sais malheureusement ce que c'est que cet espace de temps et ce qu'on peut y faire, ce qu'on peut y mettre. Et justement, ce qu'il y a mis est tellement remarquable et tellement riche que ça m'est apparu comme un sujet passionnant, d'autant plus qu'il a lui aussi non seulement son palais à Bourges, mais sa maison natale qui a été conservée, qui n'est probablement pas sa vraie maison natale d'ailleurs. Je ne sais pas si la municipalité a fait grand-chose, mais pour l'instant, c'est une boîte de nuit, cette maison natale. Mais enfin, bon, c'est comme ça. Pas que des monuments historiques, mais enfin, bref. En tout cas, cette maison natale est assez modeste. Et elle est assez proche de son palais. Et au fond, dans cet espace, de cette distance assez courte, ben, il y a une vie. Et une vie mystérieuse. Comment passe-t-on de cette petite maison modeste à ce palais? Eh bien, on passe, en tout cas, lui est passé par le voyage, par la découverte de l'ailleurs, par la découverte de l'Orient. Et d'une certaine manière, moi aussi. Alors, je ne suis pas devenu aussi riche que lui, malheureusement, mais... C'est pas fini. Parce qu'il a été un homme, l'homme le plus puissant, vraiment, du royaume et même d'Europe à son époque. Mais je ne suis pas non plus tombé aussi bas, puisqu'il a tout perdu, il a été emprisonné, torturé, il s'est évadé, etc. Bon, je n'ai pas connu cette amplitude, mais quand même, j'ai rôdé, comme lui, un peu autour des puissants. J'ai observé le pouvoir d'assez près. J'en ai parfois payé le prix. Les fonctions que j'avais occupées, vous savez, la politique africaine de la France, c'est compliqué. On s'y brûle un peu. Voilà. Tout ça me rapprochait beaucoup de lui. Et donc, voilà, j'ai eu tout simplement envie d'écrire son histoire. Alors j'ai dit à ma femme, je vais écrire sur Jacques-Cœur. Elle m'a dit, arrête tout de suite. Ça n'intéressera personne. Alors d'habitude, je l'écoute. Mais là, j'ai dit, bon, tant pis. Si ça n'intéresse personne, bon, ça m'est égal. Moi, j'ai envie de faire un livre sur Jacques-Cœur. Un petit livre sur Jacques-Cœur, j'ai dit. Et même Gallimard, je n'ai pas osé leur dire que j'écrivais sur Jacques-Cœur. Tellement, finalement, ce personnage est un peu oublié ou cantonné dans l'idée que voilà, c'est un homme d'affaires, un affairiste même, etc. J'ai pas osé leur dire. J'ai dit, écoutez, je fais une petite biographie rapide, etc. Puis cette biographie rapide, finalement, elle m'a entraîné dans quelque chose de beaucoup plus vaste, parce qu'il n'est pas possible de... Enfin, pour moi, il n'était pas possible d'évoquer Jacques-Cœur sans entrer vraiment dans la vie qu'il avait eue, dans son personnage intime. Et il se trouve que ce personnage intime... On le connaît peu. Est très riche. Voilà. Alors, oui, on le connaît peu. C'est peut-être la meilleure situation pour un romancier. On connaît évidemment bien l'histoire autour de lui, mais pas grand-chose sur le personnage. Oui, mais ça, c'est un grand avantage. Est-ce qu'on sait sa date de naissance, déjà ? Alors, on ne connaît pas sa date de naissance précise. On n'a pas de portrait de lui d'époque, comme on peut en avoir un de Charles VII ou d'Agnès Sorel par Fouquet. On a des portraits qui ont été faits probablement d'après copie, enfin au XVIIIe siècle, mais on ne sait pas au fond à quoi il ressemblait. Eh bien, ça, c'est ce qu'il y a de mieux pour un romancier. Voilà, c'est ce qu'il y a de mieux, parce qu'au fond, il y a un certain nombre de jalons qui sont assez précis. Il y a beaucoup de biographies de Jacques-Cœur. La plupart, d'ailleurs, ne parlent de lui que sous l'angle de ses affaires, c'est-à-dire que il y a des biographies. Il y en a eu beaucoup quand même. Beaucoup, mais qui en général le présente à travers les étapes de sa fortune, à travers ses missions diplomatiques. Enfin, au fond, on ne le connaît, et les biographes historiens, si je puis dire, ne peuvent vraiment dire des choses sérieuses sur lui qu'à partir du moment où il commence à apparaître publiquement. Or, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que cet homme, finalement, jusqu'à 30 ans, n'a pratiquement rien fait de sa vie. Jusqu'à 30 ans. 30 ans pour un homme du Moyen-Âge, c'est assez âgé déjà. Alors, sans connaître sa date de naissance, pour qu'on situe un petit peu l'époque, on est quand même aux alentours de 1400, 1395, 1400. Voilà, c'est ça. Le royaume de France est à moitié occupé par les Anglais. Alors, il est né au tournant du siècle, 1400, ou un peu avant, en effet. Les historiens tendraient à le faire naître un petit peu plus tôt. Mais enfin, il n'y a pas de certitude absolue. Quoi qu'il en soit, le contexte ne change pas. À 5 ans près, ça ne change pas. Et il naît à Bourges, donc dans une terre
un peu particulière, puisque, au fond, c'est un des rares territoires qui échappe à des forces étrangères, puisqu'au fond, la majorité de la France est occupée par les Anglais, y compris Paris. Et puis, vous avez le duc de Bourgogne, très puissant, à l'Est. Et, au fond, le roi de France, qui est Charles VI quand il naît, est à la tête d'un royaume en morceaux. Et son fils, Charles VII, ce sera encore pire, puisqu'il n'aura que le bout, justement, on l'appellera le roi de Bourges. Donc il va naître dans une ville qui est une ville, au fond, encerclée par la guerre. Mais Bourges, pendant la guerre, n'est pas très affectée, parce que le duc de Berry, donc à la tête de la ville, au fond, a une politique assez prudente, et la ville ne sera pas tellement affectée par la guerre. Mais tout autour, c'est affreux. Tout autour, ce sont des massacres, c'est la guerre, ce sont les pillages, c'est l'occupation, etc. Et Jacques Coeur, il est né dans cette sorte d'îlot, voilà, mais entouré de misère et de mort. Et c'est ça qui fera d'ailleurs toute l'originalité de sa vie, c'est de toujours penser d'où il est parti et quel était l'état de la France quand il est né. Et alors, c'est un fils de pelletier. Voilà, alors son père était pelletier, enfin fourreur. Alors, c'était un homme assez modeste qui avait appris son métier dans un village, puis qui était venu en ville. Mais bon, il était un fourreur, c'est un artisan. C'est un artisan qui était pas mal considéré, mais enfin, c'était pas non plus un artisan de premier plan. Et sa mère était fille de boucher. Alors ça, les bouchers, c'était des gens, au contraire, qui étaient assez prospères, qui étaient puissants, qui se connaissaient entre eux et qui faisaient, en quelque sorte, le lien entre la ville et la campagne, puisqu'ils allaient acheter les animaux dans les campagnes, etc. Mais ils étaient, en même temps, méprisés. C'était des métiers de sang. Et donc, la corporation des bouchers est une corporation un peu particulière. Le fait que sa mère soit fille de boucher lui donnera certainement accès aussi à certaines choses, notamment au moment de la révolte cabochienne à Paris, etc. Enfin bon, on ne va pas entrer dans le détail. Alors, il y a un épisode qui relève certainement du roman, mais que vous racontez dans Jacques Coeur, et qui est un petit peu une interrogation pour moi. Il est enfant. Un jour, un marchand vient proposer à son père un léopard. Un léopard, il n'a jamais vu un tel animal, une telle couleur au milieu des couleurs ocre, sombre du Berry. Et ce léopard lui fait dire qu'il y a un autre monde ailleurs. Je ne sais pas ce qui vous lie au léopard, mais vous le mettez dans Jacques Coeur, vous publiez un petit peu plus tôt une autobiographie qui s'appelle Un léopard sur le garrot. Là, cette fois, le léopard, c'est tiré d'un poème de Léopold de Sédar Senghor. Et le léopard sur le garrot, c'est la mort, puisque le léopard, quand il attaque le garrot d'un cheval, le tue. En tout cas, le léopard vous suit partout. Alors, j'ai envie de vous demander, quel est votre léopard, le léopard de votre enfance ? Quel est le rêve que vous avez suivi ? Ou est-ce que simplement le léopard est votre animal totem ? Non, mais cette histoire de léopard, c'est un malentendu, parce qu'en fait... Si vous voulez, bon, Jacques Coeur, je ne pouvais pas imaginer qu'il avait pu créer le monde qu'il a créé, c'est-à-dire, au fond, on en parlera tout à l'heure, je pense, ce monde d'échange, ce monde autour de l'Orient, etc., sans en avoir eu, étant enfant, un petit peu le pressentiment, la préscience qu'existait ou que pouvait exister un autre monde que le monde de mort et de guerre dans lequel il vivait. Or, j'avais peu de renseignements sur son enfance. Donc, il fallait qu'à un moment donné, quelque chose l'ait frappé et quelque chose qui, au fond, ait pu lui faire entrevoir à un moment donné que, voilà, il existait autre chose. Quand on écrit ce genre de biographie, évidemment, on fait nécessairement ce qu'on a appelé pour Simenon une autobiographie éclatée, c'est-à-dire qu'on prend forcément des morceaux de sa propre vie, bien sûr, et des émotions de sa propre vie. Alors, moi, quand j'étais petit... raconter un truc qui n'est pas vraiment passionnant, parce que j'ai dans la cuisine avec ma grand-mère, j'avais rien à faire là, j'étais là, je traînais, un monsieur venait nous vendre des poissons. Et il avait un sac de jute, une espèce de gros sac, vous savez, le sac de pommes de terre qu'on avait à l'époque,
Et puis, moi, j'étais là, j'avais rien à y faire. Et puis, tout d'un coup, il y a eu une agitation. Une bestiole est sortie de ce sac, a commencé à se balader dans la cuisine. Les chaises ont valsé, etc. Ma grand-mère m'affiche dehors, etc. J'entends des cris. Et vous voyez, ça fait presque, je sais pas, ça fait plus de 50 ans, je m'en souviens encore comme si c'était hier. Et en fait, l'animal qui s'était échappé du sac, c'était une anguille. Et l'anguille est devenue un léopard. Alors, j'avais le choix. Le talent du romancier. Ben oui, parce que l'anguille, si vous voulez, bon, vous voyez, c'est une anguille, c'est-à-dire que ça ne fait pas rêver. Et, enfin, en tout cas, pas moi. Et ce n'était pas l'objet. Ce que je voulais, c'était qu'il y ait effectivement un souvenir aussi fort et dans les mêmes circonstances, c'est-à-dire, au fond, une circonstance où un enfant ne s'attend pas à ce que quoi que ce soit arrive, et puis ça se passe, quelque chose sort du sac. Bon. Mais il fallait que ce quelque chose puisse préfigurer un autre monde. Alors l'anguille, pour figure, bon, pas grand-chose. Alors, qu'est-ce que je pouvais faire? Et c'est là où je vous fais partager mes problèmes. Qui, à l'époque, se promenait comme ça de ville en ville? Effectivement, des gitans qui montraient des animaux. Les animaux qui montraient étaient des animaux exotiques. Bon, les ours. Vous pouvez difficilement imaginer un ours sortant du sac dans une cuisine. Vous voyez, c'était pas... bon. Donc, les animaux qui étaient montrés, j'y peux rien, le plus en dehors de l'ours, l'animal le plus maniable, si vous voulez, celui qui est petit, le petit fauve, le petit félin, qui est quand même relativement... voilà, qu'on peut mettre dans un sac, c'est le léopard. Alors, je me suis dit, bon... je me suis documenté sur ce que montraient ces montres d'animaux et je suis tombé sur cette solution qui était pratiquement la seule. Alors je me suis dit, si je mets le léopard, étant donné que je l'ai déjà utilisé pour un titre, on va me dire, tu es un maniaque du léopard, tu as un problème avec les léopards. Oui, c'est ce que je vous ai dit. Non, en fait, j'ai pas de problème avec les léopards, simplement le léopard était... le léopard, si vous voulez, il a cette vertu que, d'abord, bon, en effet, il est petit, il peut sortir, il ressemble en gros à un chien, etc. Mais il y a une couleur. Il y a une couleur particulière. Moi, je suis très... je ne suis pas du tout musicien, pas du tout, dramatiquement pas musicien, je n'écoute pas de musique. Bon, mais tout est visuel chez moi, et l'écriture en particulier est visuelle. Quand j'écris un livre, en général, je choisis une couleur qui va me servir un peu de clé de sol, c'est-à-dire que tout le livre sera placé sous cette couleur, en fait. Et finalement, ça fonctionne assez bien. C'est-à-dire que quand on fait des gros livres, un des grands problèmes, c'est l'unité de ton, l'unité du récit, qui est très difficile à tenir, et il faut se raccrocher à quelque chose. Et la couleur, pour moi, c'est la façon la plus... Et alors, le léopard, bon, celui-là, c'est un vieux léopard, qui a un peu perdu ses ratiches et tout, il est un petit peu... Bon, enfin, c'est, même comme ça, il a cette couleur... Du soleil. Du soleil, voilà. Et au fond, je pense que ce livre... Je l'ai placé, au-delà de l'anecdote elle-même, sous la couleur du léopard, tout entière. Alors, vous disiez tout à l'heure que jusqu'à 30 ans, Jacques Coeur n'avait quasiment rien fait. Bon, il a épousé la fille d'un monnayeur. Il a quand même fait un peu de fausse monnaie, entre guillemets, et s'est retrouvé en prison. Ce n'était pas de la monnaie, mais enfin, il a fait un peu de détournement de fonds. Et à sa sortie de prison, il décide de prendre le large, et c'est là qu'il va découvrir l'Orient et finalement faire changer à la France son regard qui était tourné seulement vers l'Angleterre pour se tourner vers l'Orient. C'est le début de la Renaissance, c'est la fin du Moyen-Âge qui arrive. Oui, c'est ça. Alors il se marie avec sa voisine, bon, ce qu'on peut, hein. Qui s'appelle Massé de Léo. Départ. Oui, mais ça, j'y peux rien. Léopard, ça. Départ. Oui, mais c'est comme ça. C'est son nom, la pauvre. Alors, bref. En tout cas, effectivement, c'est un nom. En fait, c'est un nom francisé. C'est un nom flamand francisé. Il s'appelle Léo Départ. Là, j'ai dit, ben, j'aggrave mon cas, mais tant pis. Mais en tout cas, bon, il s'est marié avec elle assez jeune. Et effectivement, elle l'a introduit dans un monde un peu différent. Pas tellement, puisque c'était toujours quand même dans la même classe sociale, bourgeoise, mais effectivement, qui était le monde des métiers de l'argent. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il a fait, dans cette première partie de sa vie, jusqu'à 30 ans, d'assez mauvaises affaires.
Ce qui m'a conforté dans l'idée que, contrairement à ce qu'en ont fait beaucoup de biographes, ça n'était pas un bon homme d'affaires. Ça n'est pas fondamentalement sa qualité première. Et on pourra en reparler. Il a été très bien secondé, il a su choisir les hommes, il a su choisir tous ceux sur lesquels il s'est appuyé. Mais lui-même, fondamentalement, n'était pas un bon homme d'affaires. Tant qu'il a été sur le terrain, si je puis dire, des affaires, tout simplement, ça n'a pas été très brillant, à tel point que, comme vous l'avez dit, il s'est retrouvé même en prison pour pas très longtemps, mais enfin quand même, à la suite de malversations et d'une sorte d'accointance fâcheuse avec un monnayeur qui n'était pas très honnête. Donc, il se retrouve en prison. Et à 30 ans, cet homme, au fond, qui n'a rien fait d'extraordinaire, va vouloir se cacher, prendre du large. Pourquoi ? Parce que dans cette petite ville, Bourges est une ville moyenne, mais enfin à l'époque, petite ville, sa réputation est fondamentale. Et sa réputation est entachée par cette condamnation, même légère. Et donc il va vouloir s'éloigner un petit peu. Pour s'éloigner, il n'a pas beaucoup le choix. Il va suivre, au fond, la seule voie qui est possible, j'allais dire facilement, c'est-à-dire à partir de Bourges, il est allé vers le Languedoc, parce que cette bande de terre, c'est le territoire de Charles VII, au fond. Charles VII qui a hérité du trône, vous savez que Charles VI, son père était devenu fou, c'était un règne catastrophique, le règne de Charles VI, ce roi fou qui a laissé autour de lui se développer la jalousie et les intrigues, et puis qui a eu un règne malheureusement très long, ce qui fait que la mise en pièces de la France a été très longue. Quand ce pauvre Charles VII hérite de son bout de royaume, il n'a vraiment pas grand-chose. Il a ce petit bout avec Bourges d'un côté et le Languedoc de l'autre, puis la bande de terre entre les deux. Alors, Jacques Coeur va suivre cette voie. Et il va se retrouver donc sur le littoral du Languedoc. Et tout ça n'est pas prémédité, on le sait. Alors là, il y a des documents historiques, puisque bon, comme au retour, il fera naufrage, on aura une idée très précise de ce qu'il avait emporté. Il n'y avait pas grand-chose, il n'avait pas emporté grand-chose. Il n'était pas parti pour faire des affaires. Il était parti pour se mettre à l'écart. Et puis, en arrivant sur le littoral, il voit un bateau en partance pour l'Orient. C'est très rare. C'est très rare parce que le commerce avec le Levant est interdit à l'époque par le pape, sauf des exemptions qui sont données au compte-gouttes et quelques navires comme ça qui font des rotations vers l'Orient. Et là, il en trouve un. Et il fait des pieds et des mains pour monter sur ce bateau. Il va voir le marchand à Narbonne, qui est l'armateur de ce navire, et là, il va monter sur ce bateau. Et là, sa vie change complètement. Change complètement parce que il va rencontrer un autre monde. Ça n'est pas le premier à le faire. Mais, au fond, il a une particularité, c'est qu'il ne va pas se rendre en Orient, comme la plupart des gens le font à ce moment-là, pour se battre. Ce n'est pas un croisé, ce n'est pas un homme de guerre. C'est un commerçant, mais encore une fois, il n'a pas apporté grand-chose à vendre. Au fond, il n'a qu'une chose à faire pendant qu'il est là-bas, c'est de regarder. Et c'est ce qu'il fait. Et ce qu'il voit va vraiment le stupéfier. C'est-à-dire qu'il va tout à coup rapporter de ce voyage une image assez nouvelle d'un Orient qu'on connaissait, mais qu'on connaissait pour le combattre toujours. C'est-à-dire pour le transformer. Terre de croisade. Voilà, pour les croisades. Et au fond, qu'on était habitué à considérer comme une terre à conquérir, ou en tout cas à convertir, et en tout cas, certainement pas, dont il ne fallait pas nécessairement s'inspirer. Et Jacques Coeur, lui, va revenir de là avec cette intuition qu'il y a là, au fond, le centre du monde, que l'Orient est le centre du monde. Non pas parce qu'on y produit grand-chose, parce que finalement, ce qu'ils voient, les artisans de Damas, ça, c'est pas extraordinaire, mais parce que toutes les richesses du monde convergent vers cet endroit, et parce que cet endroit a inventé quelque chose qu'il va lui-même transporter, rapporter en France, qui est, au fond, le plaisir. Voilà. C'est-à-dire que la particularité de ce que va construire Jacques Coeur par la suite, ça n'est pas, pour moi, de nature financière, c'est plus qualitatif que ça, c'est
c'est un homme qui va inventer, ou pas inventer, mais en tout cas qui va apporter cette notion de luxe, cette notion de plaisir, cette notion des soins du corps, etc., qui sont vraiment totalement absents de cette France ruinée par la guerre, mais dans laquelle il y a un appétit, parce que c'est une France qui commence, qui va aller mieux petit à petit, hein, et assez vite même, et qui, en sortant de cette période de guerre, va avoir un appétit considérable pour tous ces raffinements, pour les beaux tissus, pour toutes ces inventions, pour les parfums, pour les épices, et pour tout ça. Et Jacques Coeur ne fera jamais le commerce des patates, forcément, c'est pas inventé. On les a pas ramenés encore, mais ou du grain, ou de je sais pas quoi. Il va faire le commerce du luxe. Et bon, il y a des exceptions. Il fait le commerce du sel aussi. Enfin, d'une certaine manière, métaphoriquement, le sel aussi, c'est ça. C'est ce qu'il y a en plus, c'est ce qui donne du goût. Et lui va être très, très étonné, par exemple, par des choses comme le hammam, par exemple. D'ailleurs, à Bourges, il va faire construire un hammam. Voilà, dans son palais, il y a un hammam. Moi, quand j'étais petit, on nous avait amené, on vient visiter, et puis on nous avait dit, il y a un hammam. Alors à Bourges, vous savez, il faut que ça soit bien chauffé quand même. Et alors on dit c'est très en avance sur son temps, etc. Mais ça n'est pas en avance au sens où on peut le penser, c'est-à-dire l'opportunité financière ou autre. Non, c'est quelqu'un qui va apporter une autre vision du corps et qui va avec il y a des tas d'anecdotes par exemple sur ce qu'il découvre en Orient par exemple la maîtrise de certaines techniques comme la fabrication des sorbets par exemple ils savent faire des sorbets ils savent faire voyager la glace à partir des montagnes du Mont Liban pendant des jours et des jours à d'autres chameaux de conserver de la glace fabriquer des sorbets etc. Tout ça c'est une découverte absolue pour lui et quand il rentre en France. Bon, le voyage de retour se passe mal, j'ai dit, il va faire naufrage et tout ça, bon, ça ne se passe pas très bien, mais il rentre, il arrive à Bourges, il n'a pas un sou, mais il dit à sa femme, je suis riche. Et il est riche de quoi ? D'une idée. Voilà, donc on est bien avant, bien en amont de la construction d'un empire financier, on est dans quelque chose qui est plus du domaine du rêve, de la création. Il va avoir l'intuition d'un autre monde. Et ça, c'est ma lecture du personnage, effectivement, on peut la contester, mais c'est aussi ce qui m'a rapproché de lui. C'est-à-dire que je pense qu'entre l'écrivain qui, au fond, conçoit quelque chose qui n'existe pas, parce qu'au fond, il s'agit ensuite de partager à travers les mots des scènes qui n'existent pas ou qu'on a en tout cas inventées, entre l'écrivain et les autres formes de créateurs, y compris des créateurs de monde, comme il en est un, Jacques Coeur, il y a une parenté. Et cette parenté, c'est la capacité à voir autre chose et à faire naître autre chose, à inscrire dans une réalité qui peut être celle des mots ou celle de l'argent, finalement, ou un monde qui n'a pas encore existé et qu'on aide à et qu'on contribue à faire émerger. Alors, je n'ai pas dit que ce livre était écrit à la première personne. Ce sont en fait les confessions de Jacques Coeur à la veille de sa mort. Ce qui est quand même très impressionnant, bien sûr, il a l'idée, mais c'est la dimension immédiate. Il dit « J'avais l'idée d'un réseau créé d'emblée à la dimension de la France, de la Méditerranée et de l'Orient, ouverte à toute l'Europe. » Il voit grand, pour le moins. Alors, oui. Il va beaucoup s'enrichir, beaucoup enrichir le roi, en faisant un mélange, je dirais, de sa propre fortune et de celle du royaume, qui est assez impressionnante, d'ailleurs, mélange. Ça n'est pas, si vous voulez, une reconstruction a posteriori. Ce qui est certain, quand on regarde la manière dont il a mené son affaire, quand il est rentré d'Orient, quand il a l'idée de ce qu'il veut faire, quand il veut effectivement introduire en France c'est tout ce qu'il a pu voir et faire de la France justement ce centre du monde qui pour le moment se trouve là-bas en Orient. Quand on voit comment il s'y prend, on se rend compte que tout de suite il voit très grand, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui va démarrer petit. C'est pas vous voyez, c'est pas l'épicerie de Landerneau, Michel Leclerc, enfin c'est pas voilà, il commence pas avec un petit truc puis ça devient un empire. Non. Il voit tout de suite très grand, c'est-à-dire qu'il comprend tout de suite qu'il faut qu'il s'appuie sur
une puissance publique. Et il n'y a pas d'autre explication à la recherche qui va mener tout de suite de rencontrer, de s'allier avec une des autorités qui se partagent la France à ce moment-là. Il se trouve que l'homme avec lequel il va créer cette intimité, c'est Charles VII. Et que Bourges est la capitale. Mais il aurait pu probablement en être autrement, parce qu'il y a des documents historiques qui montrent qu'il était en liaison aussi avec d'autres, et notamment avec le duc de Bourgogne, et qu'au fond, s'il n'avait pas eu l'opportunité de rencontrer Charles VII, peut-être, pas réécrire l'histoire, mais peut-être qu'il aurait créé cette complicité avec le duc de Bourgogne. Ce n'est pas impossible. En tout cas, la rencontre va se faire à Bourges avec Charles VII. Et ces deux hommes vont, au fond, s'allier pour le meilleur et pour le pire, en sachant, probablement dès le départ, que ça se terminera mal. C'est-à-dire que Charles VII est un personnage extrêmement, au fond, comment le décrire ? Sombre. Oui, sombre, et puis... Bon, il a des excuses. Hein. Son père était fou, sa mère l'a renié. Il a failli être assassiné quand il était enfant à Paris. Il a fallu qu'on le retire prestement des mains de ceux qui voulaient l'égorger. Pendant des années, il s'est caché au fond des châteaux. Ses frères sont morts dans des conditions suspectes. C'est comme ça qu'il est devenu roi. Il a fait assassiner ce malheureux Jean sans peur et ça lui coûtera très cher. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui démarre très très mal aussi dans la vie, lui. Et qui est ombrageux. Vous vous souvenez tous de l'épisode fameux du film Jeanne d'Arc où il est au milieu des courtisans et pour voir si Jeanne d'Arc va le reconnaître. C'est pas seulement pour voir si elle va savoir distinguer le roi au milieu des courtisans, c'est aussi parce que c'était sa manière de faire, c'était de se cacher toujours au milieu des autres, c'était de se protéger en se cachant. Ça, c'est le début de Charles VII. Après, il va finir au contraire, dans la débauche. C'est un personnage étonnant parce qu'il finit, ce sera un roi au contraire qui va suivre un parcours extraordinairement, au fond, surprenant. Mais quand Jacques Coeur le connaît, il est encore dans cette phase très craintive et il est encore, il est pratiquement... Bon, Jeanne d'Arc est passée par là, quand même. Jacques Coeur n'a pas connu Jeanne d'Arc. Vous savez qu'il était en prison au moment du passage éclair de Jeanne d'Arc dans l'histoire de France. Donc les choses vont un peu mieux, puisqu'il y a eu le sacre, il y a eu la prise d'Orléans, etc. Mais enfin, Charles VII est quand même dans une position extrêmement difficile. Et il va y avoir entre eux un lien, mais un lien qui, probablement, dès le départ, est un petit peu... entaché de cette idée que l'un des deux va trahir l'autre, enfin qu'il y a quelque chose qui va mal finir. Alors au départ ça se passe gentiment, c'est-à-dire que il l'associe, il va lui confier un certain nombre de charges, il va l'installer à Paris. Bon, Jacques Coeur n'aime pas Paris, Charles VII non plus d'ailleurs, c'est quelque chose qu'ils ont en commun, n'aiment pas Paris. Ils vont punir Paris d'avoir été la ville qui s'est donnée au roi anglais. Donc ils vont, l'un et l'autre, finalement, n'ont jamais considéré Paris comme un lieu de séjour, et en tout cas pas une capitale. Mais ça va commencer doucement, et puis il va y avoir l'argenterie. Mais l'argenterie, c'est une idée qui probablement est soufflée par Jacques Coeur. Oui, grand argentier du roi, qu'est-ce que c'est, ministre des Finances, prêteur sur gage. Non, mais d'ailleurs, c'est faux. Il n'est pas, on dit toujours grand argentier. Effectivement, c'est passé dans le langage courant, c'était l'argentier. L'argentier, c'était quoi ? C'était un intendant. C'est quelqu'un qui, en fait, était chargé des fournitures de la cour. Et puis, en même temps, il était en mesure de vendre à qui il lui proposait d'acheter des produits variés. Alors, c'est extraordinaire parce que là, c'est une intuition extraordinaire. C'est-à-dire qu'il va tout à coup se créer, Jacques Coeur va se créer à la fois le réseau donc, qui importe les marchandises, puis ensuite qui les fabrique d'ailleurs pour certaines d'entre elles, comme la soie, et en même temps qui les vend. Et puis, il va ajouter une troisième pièce dans cet édifice, c'est lui qui va prêter l'argent pour acheter. Autrement dit, on est dans un capitalisme extrêmement archaïque, mais où toutes les fonctions sont tenues par un seul homme.
Donc l'idée même qu'il ait mélangé ses affaires avec celles de l'État n'a même pas de sens, dans la mesure où tout est encore extrêmement mélangé. Il occupe des charges publiques. Par exemple, c'est un collecteur de la gabelle, l'impôt du sel, sur le Rhône. Mais au même endroit, il possède des barges qui transportent du sel. Autrement dit, il paie ses impôts à lui-même. Bon, c'est tentant, vous voyez ce que je veux dire. Donc, y a forcément une sorte d'interpénétration des intérêts publics et des intérêts privés. Et il est à la fois banquier, c'est lui qui va permettre à la noblesse, qu'encourage le roi d'ailleurs, de s'endetter. Et il sera souvent pas payé d'ailleurs de ses créances. Souvent, on va lui donner des châteaux. Il va avoir une collection extraordinaire de châteaux à sa mort, qu'on va souvent lui céder en paiement de sommes qu'on ne peut pas lui payer. Donc, il est prêteur, il est fournisseur, intendant, argentier, et puis il est importateur, c'est-à-dire c'est lui qui construit des bateaux, qui va faire chercher en Orient, où il ne retournera jamais, il n'y est allé qu'une fois. Il fait chercher en Orient tous les produits qu'il peut importer. Beaucoup, il en importera d'ailleurs aussi d'Italie, notamment de Gênes, les cuirasses, etc. Et puis, à un moment donné, il va se dire, je peux aussi fabriquer. Et il va s'enregistrer comme maître soyeux à Florence. Ah oui, il fait tout. Donc, il a un réseau complet. Donc, si vous voulez, mais tout de suite. C'est-à-dire que ça n'est pas un succès progressif, c'est tout de suite. Enfin, le succès, bien sûr, est progressif, mais ce que je veux dire, c'est que l'ambition est tout de suite très vaste. C'était quelqu'un qui a tout de suite, quand il est rentré d'Orient, construit quelque chose à une dimension qui est énorme. Mais évidemment, ce pacte qu'il a scellé avec le roi a un coût. C'est-à-dire qu'en échange, il lui fournit les moyens financiers de la reconquête. Et au fond, leur intérêt converge sur ce point. Si vous êtes un commerçant, ce qu'il faut, c'est que vos marchandises puissent circuler. Pour qu'elles circulent, il faut qu'il y ait la paix. Et pour qu'il y ait la paix, il faut que l'un des trois qui se partagent la France ait fini par gagner la guerre. Et ce Jacques Coeur va payer énormément pour faire créer une armée professionnelle, pour financer les conquêtes de Charles VII. Et finalement, ça va fonctionner. Charles VII, ce roi moche, timide, méchant, tout ce que vous voudrez, est un grand roi quand même. C'est un des rois qui a le bilan le plus extraordinaire qui soit, puisqu'il arrive au pouvoir avec pratiquement rien, un tout petit territoire dans la misère, un pays occupé, et il va terminer son règne en ayant réunifié le royaume. Alors parlons quand même quelques instants d'amour. Vous mettez en épitaphe une phrase de Villon, « Deux étions et n'avions qu'un cœur ». Et évidemment, l'amour, c'est la maîtresse du roi, c'est Agnès Sorel. Vous avez d'ailleurs la gentillesse de faire passer Agnès Sorel et Jacques Coeur à Nancy lors des fêtes qu'organise René II d'Anjou avec Charles VII. Agnès Sorel, la dame de beauté, est-ce qu'ils ont vraiment été amants? En fait, est-ce que vous avez des preuves ou est-ce que c'est le romancier qui parle? Ben, j'étais pas là, mais... mais dans les archives. Non, c'est-à-dire. Alors, revenons en arrière un instant. Charles VII, effectivement, est un Valois très sensuel, etc., qui est marié et qui fera des enfants pratiquement sans discontinuer à sa pauvre femme. Mais il a des appétits qui vont bien au-delà et des maîtresses qu'il trouve un peu partout et qui, en général, ne restent pas bien longtemps en fonction. Alors, les choses vont changer ici, effectivement. Alors, il faut dire un mot quand même de la famille d'Anjou, parce que René d'Anjou... Et Agnès Sorel, excusez-moi, faisait partie de la suite d'Isabelle de Lorraine. Voilà, Isabelle de Lorraine, femme de René d'Anjou. Épouse de René d'Anjou. Vous savez que le rôle des Anjou, aujourd'hui, est extrêmement réévalué, très, très réévalué dans l'histoire, notamment l'histoire de cette époque, l'histoire de Charles VII, puisque même Jeanne d'Arc. Les Anjou ont si vous voulez, il y a eu trois phases schématiquement dans l'entourage de Charles VII. Il y a eu une phase où il a été un peu dans la main des princes, c'est-à-dire de tout un ensemble de grands seigneurs du royaume.
Il a commencé un peu comme ça. Il était très faible, il était évidemment dans leurs mains. Et il les a, sans avoir l'air d'y toucher, progressivement évincés. Il a nourri, encouragé des querelles entre eux, etc. Et finalement, la deuxième phase, il a été entre les mains d'une seule famille, qui était la famille d'Anjou. Et dans la deuxième phase, les Anjou ont vraiment joué un rôle considérable, considérable, tout autour de lui. Et c'est probablement eux, on ne peut pas imaginer que ça se soit fait sans leur avis, qui ont mis Agnès Sorel dans son lit. Aller dans le lit de Charlotte VII n'était pas un acte volontaire. Hein, quand on voit son portrait, c'est... Bon, et puis... voilà, donc Agnès a été d'abord... Agnès était une très jolie femme, très, très bien élevée, qui avait suivi d'ailleurs Isabelle de Lorraine en Italie, qui avait une expérience... du monde, une grande culture, un grand raffinement, une grande piété aussi. Et on ne la voit pas vraiment comme ça. Bon, alors, les choses se sont faites ici, effectivement, à l'occasion de ces fêtes. Le roi est tombé amoureux d'elle, passionné, et Agnès va effectivement devenir sa maîtresse. Mais pas seulement sa maîtresse, parce qu'elle est, sinon plus maligne, en tout cas plus politique sans doute que les autres. Et elle va se retourner contre les Anjou qui l'ont poussée et dont elle était, au fond, là, qui pensaient qu'avec elle, ils avaient un agent, au fond, dans le lit du roi, va se retourner contre eux. Et elle sera un des acteurs de la troisième phase du règne de Charles VII, où il va se débarrasser très violemment de la suggestion de la famille d'Anjou, à commencer par René, qui va renvoyer dans sa Provence, etc. Elle va... être l'artisan, ou en tout cas elle va participer à cette troisième phase dans laquelle Charles VII va être entouré non plus de grands seigneurs, non plus d'une seule maison, mais de ce qu'on pourrait appeler des techniciens, c'est-à-dire des bourgeois ou des petits nobles, dont Jacques Coeur, qui seront autour de lui, qui vont constituer ce qu'on appelle la dernière coterie, et qui sont des hommes choisis pour leurs compétences, compétences militaires, les frères Bureau, compétences judiciaires, juridiques, compétences financière. Voilà. Et Agnès va s'appuyer sur ces hommes pour, au fond, créer autour du roi une sorte de réseau qu'elle contrôle et qui va la protéger d'une certaine façon. Parce qu'elle a très bien compris que, au fond, une fois devenue la maîtresse du roi, si elle est répudiée, elle est déshonorée, c'est terminé, c'est fini. Donc elle va s'accrocher à cette position et l'organiser d'une certaine manière pour contrôler le roi, qui va devenir tellement fou d'elle qu'il va multiplier les cadeaux considérables, des châteaux, des bijoux énormes, une fortune. Et Agnès, évidemment, plus elle reçoit ses cadeaux, plus elle est jalousée, et plus elle sait qu'elle a coupé tous les ponts derrière elle et qu'elle ne peut pas revenir en arrière, et qu'il faut qu'elle reste dans cette position. Donc plus, effectivement, il est important pour elle de disposer de ses amitiés, et Jacques Coeur sera une de ses amitiés fondamentales. Voilà. Alors, Agnès va être la première favorite, c'est-à-dire que ce Charles VII timide, ce Charles VII qui se cachait comme ça dans ses châteaux, et qui était, va commettre un acte de timide, typiquement, c'est-à-dire qu'il va installer sa maîtresse au vu et au su de tout le monde. Bon, alors, évidemment, il y a un habillage de tout ça, mais enfin, c'est une favorite officielle. Et c'est un acte qui sera suivi par la suite de bien d'autres, par d'autres rois, bien entendu. Mais là, c'est le premier. C'est le premier. Et au fond, il y a donc ce mystère, c'est-à-dire cette relation qui existe, indiscutablement, entre Agnès et Jacques Coeur. Ils sont proches. À certains égards, en tout cas, je le pense, ils se ressemblent. C'est-à-dire que sont... des gens qui vivent dans la peur, peur du même homme, ce roi imprévisible, qui peut à tout moment se retourner contre ceux qui l'a aimé, hein, qui laisse tomber systématiquement pratiquement tous les gens qui l'ont servi. Ils vivent dans la peur, ils vivent dans une forme de complicité, de proximité. Il était très difficile de dire qu'ils pouvaient... se soustraire à la jalousie du roi et devenir amant pendant très longtemps. Je ne l'ai pas supposé. Mais, à un moment donné, leur relation est devenue à tourner. Bon,
je n'entre pas dans les détails. C'est, enfin, tout est dans le livre. Oui. Mais enfin, il y a tout. Beaucoup, beaucoup de choses dans le livre. Pas tout, pas tout. Pas tout. Mais non, mais c'est-à-dire que si vous voulez, ce qui est très important, enfin, pour moi, c'était. Bon, d'abord, j'aime beaucoup Agnès. C'est vraiment c'est un personnage qui m'a séduit parce que je trouve la trace qu'elle a laissée dans l'histoire de France pour une femme qui est morte à 28 ans. C'est absolument extraordinaire. Et en plus, elle introduit dans ce monde terrible, ce monde de haine, de barbarie, de guerre, une espèce de grâce qui est tout à fait incomparable, enfin, qui a peu d'exemples. Alors, vous savez qu'Agnès est l'objet de recherche, puisque sa dépouille a été conservée dans une urne. Bon, même si l'urne a été profanée à plusieurs reprises, il reste des morceaux qui ont été analysés, notamment par un historien, un jeune médecin qui s'est spécialisé dans l'étude de ces dépouilles historiques, qui est Philippe Charlier. Je ne sais pas si vous avez lu ses livres, je vous les recommande. Et c'est lui qui a fait l'analyse des cheveux d'Agnès Sorel. D'ailleurs, chaque fois que je le déjeune avec lui, je n'arrive pas à lui serrer la main, ça me dégoûte. Il a tripoté à Agnès Sorel. Enfin bon, en tout cas. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de recherches qui ont été faites sur sa mort. Il est parvenu, grâce au dosage qu'il a fait sur ses cheveux, donc à dire qu'effectivement, elle était morte d'une intoxication et que cette intoxication pouvait être soit un empoisonnement, soit... lui, c'est son hypothèse, plutôt un médicament mal dosé, si vous voulez, un vermifuge qui aurait été mal dosé. Il y a des cosmétiques aussi qui pourraient pu l'empoisonner. En tout cas, bon, elle meurt dans des conditions tout à fait inopinées, bien sûr, très jeune. Et pour en terminer avec Jacques Coeur, quand elle meurt, il tombe en disgrâce presque immédiatement. C'est-à-dire qu'on voit à quel point leur système tenaient l'un sur l'autre. Et tous les hommes qu'elle avait soutenus vont pratiquement être écartés du pouvoir, être écartés de l'entourage du roi après sa mort. C'est-à-dire qu'autour d'Agnès, il y a un système qui disparaîtra avec sa mort. Oui, j'ai eu beaucoup de mal à quitter Jacques Coeur au bout de 500 pages, donc c'est normal qu'on ait du mal ce soir à le quitter au bout de trois quarts d'heure. Jacques Coeur meurt, semble-t-il, à l'île de Kyo. Est-ce que c'est vrai que vous avez eu envie de faire revenir sa dépouille en France? Oui, c'est une idée de Jean-François Degnaud, ça, mais bon, il en avait beaucoup. Qui était un élu de Bourges. Qui était un élu de Bourges, un homme que j'aimais beaucoup et qui avait toujours qui avait deux idées à la minute. Et un jour, il m'a dit... alors, souvent, il arrivait à les faire vivre, ces idées. Moi, je me souviens d'un soir, il m'appelle, il me dit... Et il me dit, tu sais, il manque quelque chose dans l'armée française. Je lui dis, oui. Et il me dit, il y a des peintres de marine, mais il n'y a pas d'écrivains de marine. Ah oui. Ah, je lui dis, oui, c'est vrai. Et il me dit, je vais créer les écrivains de marine. Et il ajoute, veux-tu en faire partie? Je lui dis, écoute, moi, je suis né à Bourges, j'ai une maison à Chamonix et j'ai le mal de mer. Oui, vous êtes un écrivain de montagne. Moi, je suis plutôt un écrivain de montagne. Il m'a dit, on s'en fiche, etc. Je lui dis, bon, c'est pas grave. Je lui ai dit oui, eh ben, il a créé les écrivains de marine, ça existe. Et Didier Decoin, Éric Orsenna. Et Didier Decoin est le président, et voilà. Et du coup, moi je suis toujours dedans, mais parce qu'ils ne veulent pas que je démissionne. Mais en réalité, je suis un imposteur, je leur ai dit, ils le savent, ils sont tous bretons, enfin c'est pas normal. En tout cas, Degnaud avait des idées comme ça. Et un jour, il me dit il faut faire revenir la dépouille de Jacques Coeur. Mais on sait où elle est? Alors. Justement, on sait qu'il est mort à Kyo, bien sûr, puisque ça, c'était tout à fait documenté. Il faut voir, c'est que l'évasion de Jacques Coeur a été un événement considérable. Parce qu'autant, on ignore son enfance, parce que pour son enfance, bon, bah, fils de pelletier, personne ne s'intéressait à lui. En revanche, après la fortune qu'il avait eue, après le procès qu'il avait eu, après la condamnation qu'il avait eue, son évasion était évidemment un coup de tonnerre. Ça a été quelque chose d'extraordinaire. Et d'ailleurs, il a été pourchassé, poursuivi par différentes factions, certains envoyés par le roi, d'autres pour des vengeances privées, afin de l'assassiner pendant sa fuite. Donc, c'était un événement considérable. Et donc, on sait tout. On sait tout, sauf en ce qui concerne l'ultime moment de sa mort. C'est-à-dire qu'on sait qu'il est mort à Kyo, on sait qu'il s'était embarqué sur un bateau de la croisade qui était plutôt
d'opérette, mais enfin bon. Et puis, puisqu'il avait été secouru par le pape, enfin bref, je ne sais pas ces détails, on sait qu'il est mort à Kyoto, mais on ne sait pas de quoi. Alors moi, j'ai imaginé, pour les besoins du roman, qu'il avait simplement que les poursuites dont il était l'objet, enfin que les attentats dont il était victime se poursuivaient et qu'au fond, on l'avait poursuivi jusqu'à Kyoto, ce qui n'est pas invraisemblable dans la mesure où il a subi des attentats, même en Italie. Et tous les documents concernant sa fuite, par exemple, sont authentiques. Par exemple, quand il est dans le couvent des Cordeliers et que le jardinier lui donne un maillet pour que la nuit, il dorme avec son gros maillet en plomb et que si on essaie de l'assassiner, il puisse donner un coup aux gens qui veulent l'assassiner, tout ça est tout à fait authentique. On est dans le roman de Capet-d'Épée. Je n'ai rien inventé là, dans toute cette partie. Mais c'est vrai que sa mort, on ne la connaît pas. Alors, le même Philippe Charlier, avec Michel Degrès, ont fait deux missions à Kyoto. Donc moi, avec Degnaud, bon, ça ne s'est pas fait, puis c'était comme souvent... Voilà, vous lui avez fait un tombeau romanesque, hein, quand même. Je lui ai fait un tombeau romanesque. Mais en tout cas, ils sont allés voir, et ils ont fait des recherches précises, et peut-être qu'il écrira un roman, j'en sais rien. Ou en tout cas, c'est assez étonnant, parce que les Grecs, apparemment, ne veulent pas les aider. Ils ont réussi à localiser presque avec certitude l'endroit où Jacques Coeur est enterré. Et au moment où ils allaient faire les fouilles pour l'extraire de là, on a coulé une dalle en béton sur à l'endroit en question. Donc, s'ils n'ont pas renoncé, mais tant qu'on n'a pas les dépouilles, si vous voulez, des os ou quelque chose, évidemment, on ne peut pas savoir de quoi il est mort. Et les hypothèses sont nombreuses. Mais au fond, ça n'a pas tellement d'importance. Parce qu'il y a même une légende dans le Berry. On aime tellement Jacques Coeur qu'on ne voudrait pas qu'il soit mort. Les gens disent qu'en fait, il a quitté Kyoto, qu'il a rencontré une femme à Kyoto, qu'il a quitté Kyoto et qu'il a refait sa vie ailleurs. Alors moi, je n'ai pas gardé cette idée de l'éternité de Jacques Coeur, parce que je trouvais que, bon, d'abord, au bout de 500 pages, on a envie qu'il meure. Mais la chose, c'est que, si vous voulez, j'ai gardé cette femme qu'il a rencontrée à Kyoto, parce que je trouvais ça très beau. Et vous voyez, ça fait partie de toutes ces légendes qui courent, en tout cas dans le Berry, sur ce personnage. Enfin, il est tellement important dans votre vie, semble-t-il, que vous avez quand même acheté un appartement face à son palais. Oui, mais c'est-à-dire que ça, c'est parce que je voulais garder quelque chose dans ma ville d'origine. Et puis, on avait vendu la maison de famille. Et effectivement, les choses se sont trouvées comme ça. J'ai acheté un petit pied-à-terre parce que je veux toujours garder quelque chose. Devant lui. Devant lui, oui. Alors, ma transition est franchement très mauvaise, mais Jacques Coeur a été important dans votre enfance. Et pour ne pas quitter Bourges, mais passer de lui à vous, on va parler un petit peu des autres figures qui ont été importantes dans ces premières années à Bourges. Vous avez été élevé par vos grands-parents. Je sais que votre grand-père, qui était un médecin de famille, mais qui avait été déporté aussi, a été cette figure si importante pour vous, que vous avez tant aimé, que c'était forcément la médecine et rien d'autre, d'après ce que j'ai compris. Vous n'avez jamais rêvé d'être écrivain, enfant ? Non, mais à l'époque de mon grand-père, qui avait fait ses études en fait au début du 20e siècle, qui était né au 19e siècle encore, à l'époque, si vous voulez, la différence, j'allais dire, entre les disciplines scientifiques et les disciplines littéraires n'était pas aussi marquée. La médecine, en particulier, n'était pas une... Les humanités. Voilà, c'était une branche des humanités. C'est-à-dire qu'on apprenait la médecine en commençant par apprendre le latin, le grec, et les descriptions cliniques, etc., étaient très littéraires. On écrivait des sortes de dissertations sur les maladies. Et il est vrai que jusqu'au milieu du XXe siècle, les médecins disposaient de très très peu d'outils thérapeutiques. Et pourtant, la médecine existait. Mais elle existait comme un accompagnement de l'autre, comme un regard sur les autres, comme une compréhension de la maladie, comme le pronostic aussi, qui était presque plus important que la thérapeutique. Hein, le pouvoir du médecin, c'était de dire ce qui allait se passer, et si possible de s'attribuer évidemment les mérites d'une guérison, mais ça c'était... En tout cas, la médecine c'était ça, et la médecine de mon grand-père c'était ça. Et moi quand j'ai choisi ce métier, enfin je ne l'ai pas choisi, c'est vrai c'était le seul que j'avais sous les yeux, je pensais sincèrement que c'était ça. Et quand j'ai fait mes études, j'ai appris
J'ai appris les maladies comme des tragédies. Pendant l'internat, j'apprenais la péritonite, c'était le coup de tonnerre dans un ciel serein, on disait. On disait l'embolie pulmonaire, c'était pour la jeune accouchée, c'est, la femme se lève, pousse un cri et meurt. Pas mal. Enfin, pour nous. Il y avait, on disait pour le cancer du testicule, on disait, donc il y avait une augmentation, on disait après une période de légitime fierté, cet homme s'inquiète et consulte. Bon. C'était merveilleux. Et il y avait quelque chose de théâtral dans tout ça. Et bon, j'étais, voilà. Puis après, bien sûr, après le métier évidemment avait changé. Heureusement d'ailleurs, c'est devenu une science et c'est devenu une technique et c'est devenu un métier. Voilà. Heureusement, quand je suis malade, je préfère aller voir un scientifique qu'un poète. Mais enfin, bon, quand j'ai choisi ce métier, je ne pensais pas qu'il y avait une telle différence. Et il est certain que il y avait deux choses qui me semblaient faire partie de ce métier et que je n'ai pas trouvé tout de suite, en tout cas, c'était la littérature, finalement, au fond, en tout cas la culture, disons, et l'engagement. Puisque, au fond, à l'époque de mon grand-père, il y avait un engagement qui était presque... Voilà, le médecin était un peu en première ligne. Alors, il y avait, bien sûr, à la fois, c'était un notable, il y avait un engagement politique pour certains. Il y avait aussi... Mon grand-père était médecin de campagne. Moi, j'ai à la maison un petit revolver, enfin, c'est pas un revolver, c'est un petit pistolet que ma grand-mère m'avait donné. Elle m'avait expliqué que c'était un pistolet à chien. C'est-à-dire que quand mon grand-père faisait ses visites dans les campagnes, il y avait des gros clébards qui lui couraient après et il tirait dessus avec son pistolet. Bon, enfin, si ça tournait mal. Et donc il y avait ce côté un peu, voilà, folklorique. Alors ça existe encore toujours, sans doute. Encore qu'aujourd'hui, je pense que. Les chiens sont attachés, mais il y a quand même des endroits dangereux, mais il faut peut-être des pistolets encore plus gros, je ne sais pas. En tout cas, bref. Mais cet engagement-là, si vous voulez, moi, je ne l'ai pas trouvé, en tout cas, dans la forme de médecine que j'avais choisie, qui était hospitalière. Je me voyais, vous voyez, dans un couloir d'hôpital tous les jours, etc. Je ne retrouvais pas du tout ça. Puis, il y avait eu, pour mon grand-père, deux guerres. L'une qu'il avait mobilisée pendant la guerre de 14, il avait même été blessé, etc., dans tous ces postes chirurgicaux qu'on envoyait près du front. Et dans la Deuxième Guerre mondiale, il avait fait partie d'un réseau de résistance et était déporté 2 ans. Donc, si vous voulez, il y avait toute cette dimension-là que je n'ai pas trouvée non plus. Et que vous avez trouvée dans la médecine humanitaire, dans une quête de sens, vous savez, Oui, c'est-à-dire que, si vous voulez, dans ma génération... L'engagement... C'était la nouvelle chevalerie, voilà, un peu, la médecine humanitaire au moment où Médecins sans frontières a été créée. Oui, c'est ça. Pour nous, ça correspondait à la forme de l'engagement de notre époque. C'est-à-dire que, probablement parce que d'ailleurs, dans un roman, je faisais dire à un des héros, on fait le bien faute de mieux. Mais c'était peut-être qu'il y avait, dans cette génération... L'idée qu'il n'y avait plus beaucoup de causes à défendre, en tout cas les grandes idéologies, vous savez, que peut-être j'aurais embrassé dans d'autres circonstances, je ne sais pas. Nous, tout ça a été un peu terminé. On était après, en fait, vous êtes senti plus utile. Ce qui restait, c'était loin, ça. Ce qui restait, c'était la cause de l'humain, si vous voulez. Voilà. Mais la cause de l'humain, elle est quand même dans tous les hôpitaux aussi. Oui, non, mais... Tout près de chez nous. Oui, oui, non, mais bien sûr. Non, mais moi, j'aurais pu peut-être suivre une autre voie. J'ai des amis, par exemple, qui sont médecins généralistes dans des campagnes, dans des villes, et qui ont des vies comme ça, très engagées. Il se trouve que moi, j'avais passé les concours hospitaliers, j'étais, au fond, un peu programmé, si vous voulez, si j'étais resté en médecine, pour devenir un technicien. Et là, j'aurais eu du mal à trouver cet engagement. Donc, j'ai préféré. Après, il y a eu vous savez, il y a toujours des hasards dans la vie. Moi, j'avais, pendant mon service militaire, j'avais fait en coopération et j'avais demandé la neurologie. Alors, ah oui, ça, c'est un passage terrifiant léopard sur le garrot. Ben oui, mais c'est la vérité. Ah oui, tout à fait. Et en fait,
On raconte ça pour Kessel. Vous savez, Kessel, au moment de la guerre, on lui avait demandé pour votre profession, il avait dit journaliste. Et l'adjudant qui notait ça avait mis journalier. Donc il est parti casser des cailloux pendant toute. Et bien moi, j'avais demandé la neurologie et en fait, bon, je ne sais pas ce qui s'est passé, enfin, je me suis retrouvé dans un service d'accouchement, enfin d'obstétrique. Et terrifiant. C'est-à-dire, j'ai fait des accouchements pendant tout mon service militaire. C'est quand même, enfin, à l'époque, c'était pas banal. Et j'étais en Tunisie. Bon, et ça a été pour moi une sorte de révélation parce que j'étais vraiment un technicien, pas de l'accouchement, mais bon, j'avais été formé avec la médecine vraiment technique. Bon, vraiment la médecine moderne telle qu'elle était enseignée maintenant. Et puis, tout à coup, je tombais dans un hôpital qui était par ailleurs d'ailleurs un hôpital plutôt bien équipé, sauf la maternité, parce qu'il y avait un choix qui avait été fait de ne pas s'occuper de la maternité. Donc la maternité, pas c'était... s'occuper des femmes. Oui, pas s'occuper des femmes, considérer que bon, la mortalité infantile, ça faisait partie des choses. Bref, et il y avait donc c'était vraiment très 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 dur, quoi. C'était très dur. Il y avait des coopérants roumains qui frappaient les femmes. Il y avait pas, on n'avait pas d'anesthésique. Enfin, c'était vraiment vraiment l'enfer. Et mais ça a eu un effet très bénéfique. Bon, ça m'a pas donné envie de faire de l'obstétrique. Hein. Alors bon, maintenant la seule chose, c'est que quand je dîne, je suis invité à dîner, il y a une femme enceinte. Bon, j'ai pas peur. C'est-à-dire, je sais ce qu'il faut faire. D'ailleurs, rien, d'ailleurs. Enfin, faut laisser faire. Bref, mais mis à part ce petit avantage, c'est-à-dire de me montrer, de me donner une expérience obstétricale que beaucoup de médecins en France ne peuvent plus avoir, parce qu'il y a beaucoup moins d'accouchements, évidemment. Mis à part cet avantage qui n'a pas eu beaucoup d'intérêt pour moi, cette période-là a été très, très féconde, parce qu'il y a une sorte de pivotement. C'est-à-dire que je suis parti là-bas, petit étudiant en médecine, en pensant que, si vous voulez, au fond, les humains étaient tous pareils, les êtres humains étaient tous les mêmes, et qu'il y avait que les maladies qui changeaient, que mon métier, c'était de distinguer les maladies, de différencier les maladies, de savoir à laquelle on avait, mais que finalement, l'humain était une sorte de support indifférencié des maladies. Et puis là-bas, je me suis rendu compte que c'était le contraire. C'est-à-dire que les maladies sont toutes les mêmes, partout. Ce qui change, c'est justement les êtres humains qui les portent. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose tout à coup, un intérêt qui se portait, non pas sur les symptômes, non pas sur la pathologie, non pas sur la technique, mais sur les personnes. Vous savez. Et en fait, au fond, quand vous avez franchi ce pas, ça a l'air rien comme ça, mais en réalité, c'était vraiment un déclic. Quand vous avez franchi ce pas, vous êtes capable à ce moment-là de faire une médecine moins technique, mais plus humaine. C'est-à-dire ce qui était le cas de la médecine humanitaire, parce qu'au fond, la médecine humanitaire n'est pas techniquement très, très complexe. La plupart du temps, elle est même assez basique, parce qu'il n'y a pas de moyens. Et pas de... Mais elle est très riche parce qu'elle met au premier plan le support humain, c'est-à-dire les conflits dans lesquels vous tombez, les situations dans lesquelles vous êtes engagé. Et c'est ça qui m'a passionné dans ce mouvement humanitaire qui, à l'époque, était tout au début. Oui, alors vous avez été sur du Nicaragua à l'Érythrée, sur de nombreux lieux de souffrance, de guerre, de famine. Vous me disiez tout à l'heure qu'aujourd'hui, par rapport aux années 70-80, il y a beaucoup plus de risques dans la médecine humanitaire et qu'il est beaucoup plus difficile d'intervenir. Oui, c'est-à-dire que par rapport à la période où on a créé ces associations, il y a eu une sorte de double mouvement. D'un côté, un grand succès, prix Nobel, des moyens, beaucoup d'argent, beaucoup de financements internationaux, etc. Autrement dit, ces associations, à notre époque, au début, étaient des outils qui étaient vraiment très rudimentaires, voire inefficaces. Parce qu'on n'avait pas. Vous savez, pour être efficace dans une catastrophe, dans un conflit, il faut beaucoup de moyens, pas seulement matériels, mais tout un savoir-faire et toute une préparation, etc., qui n'était pas encore à notre portée. Aujourd'hui, ces moyens sont là. Ces associations ou ces grandes institutions, hein, qui sont nombreuses, ont ces moyens. Elles n'ont sans doute jamais eu autant de moyens. Mais, en même temps,
les endroits où elles peuvent intervenir sont de plus en plus dangereux. C'est-à-dire que l'espace qui leur est, au fond, dans lequel elles peuvent agir est de plus en plus étroit. Regardez l'Afghanistan, qui a été un terrain d'action pour l'humanitaire très important, y compris pendant la guerre froide, hein, pendant toute la période de guerre froide, dans les camps de réfugiés et même à l'intérieur du pays. Il y avait énormément de missions. Aujourd'hui, extrêmement difficile de travailler en Afghanistan, extrêmement dangereux de travailler en Afghanistan. Et ça le sera sans doute d'autant plus. Parce que aussi les ONG représentent l'Occident aux yeux des autochtones. Oui, alors c'est vrai qu'à l'époque où c'était soviétique contre occidentaux, si vous voulez, il y avait une sorte de consensus, même si on n'avait pas forcément les mêmes valeurs, sur ce point, il y avait une forme, j'allais dire, de respect, ou en tout cas de respectabilité internationale qui passait par, voilà, il ne faut pas faire de mal aux ONG. Par exemple, un mouvement de guérilla à l'époque, pour montrer qu'il était responsable, qu'il fallait le soutenir, etc., montrait qu'il prenait le plus grand soin des ONG. Donc, il nous protégeait, en général, et c'était assez... Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de risque, mais enfin, quand même, les choses étaient beaucoup plus claires. Aujourd'hui, c'est un peu le contraire, c'est-à-dire qu'effectivement, pas partout, mais dans beaucoup d'endroits, les mouvements armés, mouvements dits rebelles, enfin, peu importe comment on les appelle, font parler d'eux quand ils tuent ou quand ils prennent en otage les ONG. Autrement dit, tout à coup, c'est le contraire. C'est-à-dire que, si vous voulez, on devient une sorte de monnaie d'échange, bon, etc. Et puis, en effet, vous avez raison, je pense que les principes qui guident l'action humanitaire sont des principes qui, fondamentalement, renvoient à une vision du monde qui est la nôtre, qui est implicite. Nous, on ne se rend pas compte parce qu'on vit dans ce monde. Le fait de soigner des enfants, par exemple, bon, le fait de faire en sorte que les femmes aient accès à l'éducation, toutes ces choses nous paraissent naturelles, si vous voulez, normales, mais en réalité, c'est une vision du monde qui est derrière. C'est une vision du monde. Et c'est très intéressant de voir, par exemple, que quand vous agissez comme ça, sans essayer d'intervenir, quand, par exemple, vous apportez de la nourriture à une femme ou à une famille qui a plusieurs enfants, dont un qui souffre de malnutrition. Vous allez apporter un supplément alimentaire à cette famille, sans rien faire. Qu'est-ce qui va se passer ? Souvent, en particulier en Afrique, la mère va donner le supplément aux enfants qui vont bien. Et parce qu'elle va considérer que celui qui ne va pas bien, ben voilà, tant pis, c'est... Voilà. Donc elle va... Et vous, pour vous, vous dites, mais c'est pas du tout mes valeurs, moi j'ai donné ça pour celui qui ne va pas bien. Vous voyez ? Dans des pays en guerre, par exemple, il est très fréquent, quand vous apportez un supplément alimentaire, que vous apportez, donc il y a le père, la mère, les enfants, bon, puis il y a la guerre, qui va recevoir le supplément alimentaire ? Le père, parce qu'il se bat. Bon, vous voyez, donc, tout ça fait que, si, je cite ces exemples, ils ne sont pas universels, mais ils arrivent, ils sont des choses que j'ai vues. Pourquoi je les cite ? Pour dire que nous avons, sans nous en rendre compte, une vision du monde qui porte notre action. Et que nécessairement, cette vision du monde, elle n'est pas partagée par tout le monde et qu'aujourd'hui, dans un certain nombre d'endroits, elle nous désigne même comme des cibles. C'est-à-dire, elle nous désigne même comme des ennemis. Voilà. Et que, pas uniquement parce que, en nous tuant, on fait parler de soi ou on peut toucher une rançon, mais aussi parce que nous sommes des adversaires idéologiques. Voilà. Et tout ça, c'est assez nouveau. En tout cas, ça n'existait pas comme ça à la période de guerre froide où, encore une fois, soviétiques et occidentaux avaient beaucoup de points de désaccord, mais ils partageaient quand même un certain nombre de valeurs humaines communes, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui partout. Alors, c'est le dernier quart d'heure de notre rencontre. Il y a évidemment beaucoup, beaucoup de points que j'ai encore envie d'aborder avec vous. Nous allons arriver à vos années d'ambassadeur. Vous êtes resté 3 ans au Sénégal. Vous avez participé au rapatriement d'otages. D'abord, ça a été difficile parfois avec le président Ouad. Est-ce que aujourd'hui, vous auriez envie encore de renouer avec la diplomatie ou vous vous dites que finalement, c'était un métier, même si c'était un beau symbole d'être écrivain au pays de Léopold Sédar Senghor. Et
Oui, quels sont vos regrets et quelle est votre réussite là-bas? Est-ce que vous pensez que vous avez contribué à changer la politique africaine de la France? Oui, enfin... À votre niveau, là-bas, sur place? Non, mais voilà, à mon niveau. C'est-à-dire qu'en fait, moi, il y a quelque chose contre lequel je lutte, mais vous voyez, sans succès, c'est qu'effectivement, il y a une curiosité qui est là, en moi, peut-être à cause de ces études de médecine que j'ai faites et qui m'ont appris à regarder, au fond, et qui m'ont donné envie toujours de voir, de savoir. Enfin, mes livres... Même si ça parle, même si on parle de tout à fait autre chose et d'une toute autre époque, sont nourris par la vie. Voilà. Enfin, en tout cas, oui. D'ailleurs, vous êtes l'anti-Henri Troyat. Vous, il faut que vous viviez pour écrire, oui, alors mais, que alors, Troyat, c'était l'inverse. Oui, mais Troyat. Se servait de l'écriture pour vivre. C'est, oui, mais alors Troyat, moi, quand j'ai fait son éloge, j'ai dû. Ça n'a pas été simple, hein, parce que faire une biographie de Troyat, c'est très difficile. Moi, j'avais cherché des choses dans sa vie. Il y avait vraiment. Rien, pas de voyage, pas de maîtresse, rien. Et non, c'était vraiment... Des livres. Hein, des il livres, écrivait. Voilà, tous les matins. Alors, on dit qu'il écrivait debout, mais ce n'est même pas vrai. À la fin, il a fini par s'asseoir, etc. Bon. Donc, non, Troyat, c'est un mystère que j'ai... Je suis très fier, d'ailleurs, éclairci, je pense. Parce que, en fait, Troyat, en effet... Si je peux faire une parenthèse autour de Troyat. On fait une parenthèse, puis je vous... Bon, pardon. Ferai revenir au Sénégal, oui. Non, mais Troyat, en réalité, a désespérément voulu être un écrivain français. C'est-à-dire que quand il avait 20 ans, ses modèles, c'était des écrivains français. Il a écrit ses premiers livres, c'était des petits livres avec le souffle un peu court, très classique, bon, La Reine qui a eu le Goncourt, etc. Et il voulait vraiment être français. Voilà, il a changé son nom à la demande de son éditeur, etc. Puis, voilà. Et au fond, c'est assez amusant, c'est qu'en effet, il n'a rien vécu. Mais il y a eu un choc pour lui juste avant la guerre de 40, quand il a vu l'avancée des armées, enfin des régimes nazis, etc. Il était persuadé qu'il allait de nouveau être contraint à l'exil. Et à ce moment-là, il s'est dit, ça y est, on va de nouveau partir, on va de nouveau fuir, etc. Et à ce moment-là, tout son passé est revenu. Et Troyat n'a rien vécu à partir de l'âge de 20 ans. Mais il a tout vécu entre 0 et 20 ans. C'est-à-dire qu'il a tout vécu dans son enfance. C'est un homme qui a eu une richesse d'expérience à travers sa famille et sa petite enfance, qui, le jour, donc à ce moment-là, où il a commencé à renouer avec ce passé, lui ont donné une matière extraordinaire. Autrement dit, il avait un gisement, lui, de souvenirs, toutes les migrations, les souvenirs de sa famille, cette famille tcherkesse, arménienne qui va à Moscou, qui est chassée à 6 ans, la révolution, les trains qui brûlent, etc. Tout ça va ressortir et Troyat va vivre sur cette espèce de source qu'il avait en lui et qu'il avait nié pendant si longtemps. Moi, je n'ai pas ça. Je n'ai pas quelque chose en moi qui, même en cassant une cloison, tout d'un coup, va me donner un geyser comme ça, d'inspiration. J'ai besoin de la vie. Donc, quand on me propose des choses, même si elles sont... bizarres, et surtout si elles sont bizarres, en général, je suis tenté de les accepter. Et quand, après avoir pris la ferme résolution de ne plus laisser aller à ce genre d'errement, quand finalement Kouchner m'a téléphoné en me disant « on veut t'envoyer comme ambassadeur au Sénégal », je lui ai dit « il faut que je réfléchisse », il m'a dit « prends ton temps, tu as 10 minutes ». Et bon, et j'ai évidemment dit oui. Et j'étais évidemment extrêmement excité par le défi à relever, parce que je voulais pas. Je considère qu'en effet c'est un métier, mais c'est un métier qu'on peut apprendre, et c'est un métier qu'il est bon de faire aussi par des gens qui ne sont pas forcément issus de la même origine. Autrement dit, c'est très très bien. Ça s'est fait beaucoup dans le passé, et c'est presque depuis le début que la diplomatie soit aussi nourrie par des gens qui viennent de l'extérieur. Il y a eu de grands écrivains diplomates. Absolument. De Chateaubriand à Romain Gary, d'ailleurs. Voilà. Mais alors, il y a des diplomates écrivains. Ça va plus dans ce sens-là. C'est plutôt, que ce soit Paul Morand ou Claudel, c'est plutôt des diplomates qui deviennent écrivains. Bon, le contraire est un peu plus rare, mais ça s'est fait. Gilles Martinet, François-Régis Bastide, etc., qui ont été des prédécesseurs. Mais... Le problème, c'est que vous ne devez pas, vous ne pouvez pas arriver là en vous disant, en tout cas, ce n'était pas ma conception des choses,
Bon, ben voilà, c'est très joli ici, je m'installe, voilà, j'ai été nommé, puis je laisse faire. Moi, je n'étais pas là pour ça, j'étais là en pensant qu'effectivement, il y avait une sorte d'utilité, qu'on attendait de moi quelque chose, ce qui n'était probablement pas vrai d'ailleurs, pour changer un petit peu, au moins localement, hein, la manière d'établir des relations avec... avec l'Afrique. Alors l'Afrique, ça ne veut rien dire. Moi, j'étais dans une partie de l'Afrique, dans une ambassade régionale. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas pu faire, malheureusement, ou je n'ai pas pu éviter, mais je maintiens que ça a été très utile. J'ai gardé énormément d'amitié là-bas, à commencer par le nouveau président Macky Sall, qui est vraiment un ami. Je suis considéré là-bas, je crois, comme un des ambassadeurs. C'est très... un peu modeste de dire ça, c'est même un peu ridicule, mais je crois qu'il y a marqué, c'est-à-dire qu'on se souvient de ce passage, on se souvient d'un certain nombre de choses que j'ai voulu faire. J'ai pris des torpilles aussi, ça a été très difficile, mais tout ça était prodigieusement enrichissant. Et puis, moi, j'ai un souvenir extraordinaire, c'est qu'effectivement, j'ai été élu à l'Académie française pendant que j'étais en poste. Et je suis allé, pour mes fonctions, si vous voulez, dans des petits villages, dans des endroits... où les gens préparaient spontanément, parce que je veux dire, je me souviens une fois, il y avait le décès d'un chauffeur de l'ambassade, moi j'étais pas très loin, j'y suis allé, personne ne m'attendait, personne ne savait que je venais là, et les Sénégalais préparaient un compliment autour de Senghor, autour de l'Académie, autour de la France, autour de la langue française, avec une éloquence extraordinairement touchante, comme de gens qui savent ce que ça veut dire, qui savent ce qu'est effectivement cette communauté autour de la langue, autour de la culture, qui la partagent et qui prenaient pour eux aussi, et peut-être même d'abord, l'honneur qui m'était fait. Voilà. Et ça, ça a été un souvenir merveilleux parce que je pense que ça a été un moment rare. Voilà. D'abord, il y a peu d'académiciens qui sont nommés pendant qu'ils sont en poste à l'étranger. Et en plus, dans un pays qui a compté un très grand de nos confrères avec Senghor. Bien sûr. Alors, je le disais au tout début, vous avez écrit sur ces groupes terroristes qui montaient dans le Sahara pendant que vous étiez en poste là-bas. Katiba d'ailleurs, ça veut dire groupe terroriste, je crois, directement. Est-ce que, quand vous voyez ce qui s'est passé dans le Mali, vous parliez de la Mauritanie, là, vous faites un lien direct avec ce que vous avez connu? Oui, alors, moi j'ai écrit ce livre qui est un peu à l'écart de tout ce que je faisais, mais parce que pour écrire des livres comme Le Grand Cœur ou Rouge Brésil, etc., il faut s'immerger complètement dans l'imaginaire, pouvoir s'extraire un peu du monde et puis rêver librement, ce que je ne pouvais évidemment pas faire quand j'étais en poste dans une ambassade aussi lourde. Mais en même temps, je ne voulais pas cesser d'écrire, parce que je pensais que c'était le grand danger, c'était de sortir de là en étant en quelque sorte asséché par ces responsabilités. Puis voilà, bon, François-Régis Bastide, par exemple, est resté 9 ans ambassadeur et il a eu énormément de mal à recommencer à écrire par la suite, etc. Donc je voulais pas, je voulais vraiment, y compris au prix d'un effort très grand, parce qu'il fallait trouver du temps, et écrire. Donc j'ai écrit sur ce que j'avais sous les yeux, pour une fois, parce que d'habitude, j'aime bien la distance, au contraire, distance de temps, d'époque, etc. Mais là, non, je ne pouvais pas. Et ce que j'avais sous les yeux à l'époque, c'était la montée en puissance de ces groupes. Alors aujourd'hui, tout le monde en parle, on a les soldats français au Mali, mais à l'époque, ACMI, personne, ça ne disait rien à personne. Moi, c'était mon, je dirais pas mon quotidien, mais en tout cas, dans les rapports que j'avais toutes les semaines avec les services qui dépendaient de moi, bien le sujet, c'était toujours ça. Et ça a pris un tour particulièrement concret à Noël 2007, lorsque des Français ont été assassinés dans le sud de la Mauritanie, des touristes français. Il y avait parmi eux un survivant, qui vient de décéder d'ailleurs, qui était un homme qui avait de 73 ans, qui avait... au cours de la rafale de mitraillette, il avait envoyé une balle dans la jambe, mais il n'était pas mort. Je l'ai fait transporter sur Dakar, où on avait un hôpital militaire très, très, très compétent. Et au fond, j'ai reçu cet homme, j'ai attendu à descendre d'avion quand il est arrivé à 3 heures du matin. Je veux dire, il était là devant moi,
j'avais pas reçu la balle, mais d'une certaine façon, quand on parle de terrorisme, on voit toujours des choses un peu lointaines. Là, tout à coup, ça devenait très concret. Et j'ai commencé à réfléchir à la façon de mettre ça en scène et d'écrire un roman autour de ça. Ce n'était pas évident, parce que j'avais peu de temps. Alors heureusement, il y a eu, je trouve qu'à ce moment-là, bon, peu importe, mais il y avait eu un coup d'État en Mauritanie, et il y a eu ce qu'on appelle un groupe de contact à Dakar, c'est-à-dire une longue négociation pour rétablir la paix donc en Mauritanie. Ça avait lieu à Dakar. Moi, j'étais représentant de la France dans ces négociations. Ces négociations, pour la petite histoire, se déroulaient entre trois factions mauritaniennes, qui sont des hommes en bleu, vous savez, qui sont des hommes du désert, qui ont l'éternité devant eux, c'est-à-dire qu'ils peuvent discuter pendant des heures. Et d'ailleurs, ils avaient fait descendre de Nouakchott deux jeunes filles qu'ils avaient mises devant la porte sur des coussins en cuir et qui faisaient du thé, jour et nuit, d'hiver. Et toutes les 10 minutes, elles passaient avec un verre de thé. Alors vous buvez un verre de thé, ça va. Mais au bout de 40, vous voyez, vous avez les yeux comme ça et vous voyez votre livre. Tout d'un coup, j'ai fait le plan de Katiba à 3 heures du matin avec, je ne sais pas, si on dose le thé dans le sang, mais je crois que j'avais dépassé tous les taux légaux. Et j'ai vu mon livre. D'abord parce que je les avais sous les yeux et ça se passait en Mauritanie. Et puis tout d'un coup, j'avais le plan et j'ai écrit le livre. Et c'est vrai qu'à l'époque, quand je l'ai écrit, je ne pensais pas que les choses iraient si vite. C'est-à-dire que je voulais raconter une histoire qui met en scène, au fond, ce qu'on voyait, ce qu'on savait. Parce que ce qu'on avait vu, les victimes, et ce qu'on savait, c'est-à-dire la présence de ces groupes. Ce qu'on ne pouvait pas savoir, c'est que les choses iraient si vite. C'est-à-dire que la montée en puissance de ces groupes serait aussi rapide. Il y avait des choses qu'on ne pouvait pas prévoir, comme le printemps arabe ou la guerre en Libye, qui ont joué quand même un rôle de contagion et de dissémination des armes, notamment dans la région. Tout ça, on ne pouvait pas le prévoir. Donc, je suis, si vous voulez, pas surpris par les événements actuels. On m'a beaucoup invité sur des plateaux et des trucs. J'ai tout refusé ces dernières semaines parce que je ne voulais pas parler du déroulement des opérations, etc. Moi, ce qui m'avait intéressé, c'était d'essayer de comprendre le phénomène un peu de l'intérieur, de comprendre qui étaient ces groupes, qui étaient ceux qui pouvaient éventuellement être tentés de leur servir de relais ici. Parce qu'au fond, c'est ça la question. C'est est-ce qu'ils seront capables un jour d'actionner des gens à distance, ce qui n'est pas évident d'ailleurs. Bon, et c'était ça qui m'intéressait, beaucoup plus que de savoir si on envoyait trois fusées de type avec des VAB ou pas, etc. Voilà. Et au fond, je suis à la fois surpris par l'ampleur du sujet, l'importance qu'il a pris en quelques années finalement, et puis en même temps, je ne suis pas vraiment dans la mesure où, si je me suis penché sur ce sujet, c'est parce que je voyais bien. Nous voyons bien, je n'ai pas inventé, hein, c'était ce qu'il y avait là un phénomène nouveau et qui était probablement porteur d'une réalité qui allait s'imposer à nous pour les 20 années qui viennent. Parce que le Sahara, bon, là on a, disons, contribué à réunifier le Mali, mais on va s'arrêter à la frontière et peut-être même bien avant. Et les groupes armés vont continuer de se balader dans tout le Sahara. Le Sahara est une mer intérieure qui en fait met en relation, plus qu'elle ne sépare, ces groupes sont capables d'aller du Maroc à la Somalie à travers des zones désertiques qu'il est absolument impossible de contrôler. Donc, si vous voulez, ce phénomène, voilà. Mais ce que je voulais, c'était l'aborder en romancier, c'est ça que je veux dire. Et en diplomate ? En diplomate, qu'est-ce que vous voulez faire ? Je veux dire, de toute façon, nous, on était un peu en dehors de la zone, puisque le Sénégal... Non, mais en diplomate, comment vivez-vous la situation d'aujourd'hui et comment sentez-vous, justement, ces groupes terroristes demain ? Non, alors, mais moi, je me considère pas du tout comme un diplomate. J'ai été diplomate de circonstance et non pas de carrière. Donc, voilà, non, simplement comme observateur, disons, de ces régions que je connais quand même depuis longtemps et dans lesquels, à titre divers, je me promène depuis longtemps. Ce que je pense, c'est surtout cette opération malienne a un immense avantage qui est de nous donner un très grand prestige dans toute la zone, que cette Afrique de l'Ouest là, allait très mal il y a 10 ans. Il y avait la guerre civile en Côte d'Ivoire, rappelez-vous, la Guinée
était en pièces après le coup d'État d'Addis Camara. Le Libéria a connu une guerre civile épouvantable. Le Sénégal était quand même menacé d'une transition vers autre chose que la démocratie, disons, etc., etc. Donc ça allait très mal, cette région, et cette région va beaucoup mieux. Je veux dire, la guerre civile en Côte d'Ivoire est terminée, au Libéria aussi. Le Ghana est un modèle de gouvernance. Le Sénégal a fait des élections démocratique et à respecter l'alternance. Enfin, il y a quand même une grande amélioration. Et cette affaire malienne, au fond, c'est la dernière pièce du puzzle. C'est-à-dire que cet ensemble ouest-africain est en train de trouver une stabilité et la France est en train de redevenir un partenaire de premier plan. On nous rebat les oreilles avec les histoires des Chinois, etc. Dans cette région, nous sommes toujours, et nous serons sans doute de plus en plus après cette opération, des partenaires privilégiés. Je crois qu'il y a une carte à jouer très importante, c'est-à-dire que cette opération, je la vois pas du tout comme une entrée dans la guerre contre le terrorisme, parce que si on se lance là-dedans, on va faire du Bush, on va jamais s'en sortir. En revanche, c'est la première pièce, je pense, d'une nouvelle politique africaine. C'est ce que j'espère. Voilà. Enfin, vous me demandez mon avis, je le vous le donne, mais c'est tout à fait discutable. En plus, avec une vision d'espoir. Alors, vous vous en doutez, j'ai au moins de quoi faire encore une rencontre avec vous, mais hélas, on n'a pas l'éternité, et puis on n'a pas de thé non plus, donc il va falloir que je vous laisse dédicacer pendant un long moment. Alors, je vais vous poser, avant de vous soumettre au questionnaire de pivot, comme tous mes invités, ma dernière question, en terminant par justement la conclusion de ce livre que j'ai beaucoup aimé, Un léopard, pour en revenir au léopard, sur le garrot. Vous écrivez « Jamais je n'ai été si peu médecin qu'aujourd'hui. Et pourtant, jamais je n'ai été plus proche de la vocation qui m'a fait choisir ce métier. Certes, je ne pratique plus actuellement la médecine clinique, je ne palpe pas de ventre, je n'écoute pas de poumons, je ne rédige pas d'ordonnance, mais mon projet, en embrassant la carrière médicale, n'était pas seulement de faire l'usage d'un stéthoscope. La volonté d'engagement, l'humanisme en acte, l'ancrage littéraire, tous ces idéaux étaient pour moi au principe de l'activité mystérieuse dont je suis témoin depuis l'enfance et qu'on appelle la médecine. Tout cela, je l'ai rejoint par le détour d'une carrière qui, en cheminant sur les marges, m'a finalement conduit jusqu'où je voulais secrètement aller. » Alors, deux questions pour finir. Est-ce que vous êtes arrivé là où vous vouliez vraiment aller? Et si aujourd'hui je vous pose la question, est-ce que vous êtes médecin ou écrivain? Mes enfants me demandent ça aussi. Et vous leur répondez quoi? Non, je leur dis qu'au fond, dans mon cœur, dans ma formation, je suis un médecin. C'est-à-dire que le regard qui m'a été donné, qui a été façonné par l'éducation que j'ai reçue, c'est un regard de médecin. Quand je cherche à comprendre... si vous voulez, je ne suis pas policier, je ne cherche pas à comprendre l'autre pour le mettre en prison. Je ne suis pas juge, je ne cherche pas à comprendre l'autre pour le condamner ou pour le juger. Je cherche à comprendre pour essayer d'améliorer les choses. Il y a une côté, ça a l'air un peu bébête de dire ça, mais je pense que le médecin, c'est un regard. D'abord, c'est un regard. Tous les métiers ne sont pas des métiers du regard. Nous, c'est un métier du regard sur l'humain et dans le sens d'une forme de bien. Quoi. Enfin, voilà. Et c'est vrai aussi dans l'écriture, parce que finalement, quand on me dit qu'un de mes livres... on a été heureux en le lisant, c'est ce qui me fait le plus plaisir finalement. C'est-à-dire que sans doute, ce que je cherche, bon, d'abord moi-même, à être heureux quand j'écris, parce que si c'est pour me... j'ai assez d'occasions d'être... de voir des choses tragiques quand j'écris, c'est plutôt pour être heureux et partager ce bonheur. Moi, j'ai commencé par écrire des essais parce que je n'osais pas... les romans, ça me paraissait inaccessible. Oui, votre premier roman, c'était à 45 ans. Oui. Mais avant, j'avais écrit les essais. J'ai écrit à la main. Alors, j'ai fait taper. Alors, la pauvre femme qui tapait les essais, vous voyez, c'est endormi. Puis quand je suis passé au roman, je vous rappelle, le premier, c'était l'Abyssin, je lui ai donné. Alors là, elle m'a demandé les chapitres, elle m'a donné son avis, elle me disait, celui-là, il meurt trop tôt, machin. Enfin, il y avait une espèce de joie que moi, j'avais ressentie en écrivant le livre et qui se transmettait. Et ça, j'y tiens plus que tout. Donc, voilà, je suis un médecin qui écrit. Voilà, je dirais. Et je pense que comme Amine Balouf, qui vous a précédé ici et que vous avez accueilli à l'Académie française, vous pensez que le roman est le meilleur vecteur pour transmettre l'histoire, finalement?
Ah ben ça, j'en suis convaincu. J'en suis convaincu. C'est Solzhenitsyn qui, pendant à Stockholm, quand il a pour le discours de, enfin le discours dit de Stockholm pour son prix Nobel de la paix, avait écrit que, il disait, j'ai été élevé dans une société soviétique hein, où on me disait que la vérité, hein, c'était ce qui était voilà écrit de façon sérieuse, scientifique. Et puis tout ce que j'ai entendu, c'était des mensonges. Alors que le roman, c'est un mensonge. Ça se revendique comme un mensonge. Et pourtant, s'il est juste, il peut rendre un son qui est celui de la vérité. C'est-à-dire qu'il n'y a, je crois, pas de vérité plus profonde que celles qui peuvent être atteintes par la littérature. Et c'est pour ça que je n'ai pas voulu parler de cette histoire terroriste, etc., sous une forme comme ça d'interview, etc., parce que je pense que j'ai essayé de le faire par le roman pour justement toucher quelque chose de plus juste qu'on ne peut pas uniquement décrire de manière rationnelle. Je pense qu'il y a, l'espace du roman est un espace de vérité, c'est sûr. Donc, lisez Jean-Christophe Ruffin dès qu'il aura fini de répondre au questionnaire de Pivot. Jean-Christophe Ruffin, votre mot préféré ? Montagne. Il n'y a pas que le mot là qui est préféré. Oui. Quel est le mot que vous détestez ? Si je dis la mer, ça ne va pas paraître. Mais... Pour un écrivain de marine, non, vous ne pouvez pas. Oui, je ne peux pas. Je déteste. Ennui. Le son, le bruit que vous aimez ? Le bruit que j'aime ? J'aime bien la pluie sur les toits de tôle. Non, mais c'est... Bon, le son, le bruit que vous détestez ? La radio au bord de la mer. Décidément. Quel est votre juron ? C'est la double peine, là. Ah, oui. Quel est votre juron, gros mot ou blasphème favori ? Oui, il y a un mot berrichon que j'aime bien, c'est Dieu me savonne. Dieu me savonne. Vous ne connaissez pas ? Dieu me savonne ? Dieu me savonne, oui. Dieu me savonne. Et on l'emploie quand ? Ben, ça veut dire, oh là là, mon Dieu, enfin, à Dieu ne plaise, si vous voulez, que Dieu m'en protège, Dieu me savonne. C'est typiquement berrichon, je ne sais pas. Bon. Alors, la dernière question, avant que je vous libère. Si Dieu existe, qu'aimeriez-vous, après votre mort, l'entendre vous dire ? Donne-moi des idées. Alors, merci beaucoup, Jean-Christophe. Alors, j'ai une très bonne nouvelle. Je viens de réussir à ce que Jean-Christophe Ruffin nous promette de revenir en septembre pour présider le prix Livre et Droits de l'Homme du Livre sur la Place. Donc, vous le retrouverez en septembre. Deux petites informations pour terminer. Dans les galeries Poirel, tout à côté, vous avez le 120e Salon des artistes lorrains jusqu'au 10 février. Profitez-en, il y a de très très belles œuvres à voir et c'est entrée libre. Autre entrée libre pour la Ville révélée qui ouvre le cycle des cérémonies Renaissance à Nancy, au Palais du gouvernement à partir du 1er février jusqu'au 31 août. Et puis nous nous retrouverons ici, Salle Poirel, le 17 avril, le mercredi cette fois 17 avril. Peut-être avez-vous lu, non pas Charles VII, mais Charles XI ou le Montespan. Je recevrai un écrivain qui a beaucoup de tenues, qui est Jean Tellet. Donc, à très bientôt. Merci à toutes et tous encore de votre présence. Et je vous laisse Jean-Christophe Ruffin pour les dédicaces.